Salut tout le monde, de la part de Dindy 33, 14 Bravo Charlie 3301, Rémi, la planète Sibi francophone pour le forum, F5240 SWL pour le web SDR. Et là, on est en approche, en phase d'atterrissage sur Marraine. Alors là, c'est complètement différent par rapport aux années précédentes. N'étant plus dans une association, donc en toute logique, je ne peux plus être exposant. Logique, normal. Alors, ben, il n'y aura pas plus d'activation non plus de la part du forum. Alors, bon, j'espère que qu'une autre association Sibi, aura pris la place et fera également une activation. Ça serait pas mal sympa, quoi. Parce que, bon, ouais, on y croit. Bon, alors, tout à l'heure, j'ai entendu du monde. Oui, sur le 19, oui. On est en local, donc en toute logique, du côté des 40 canaux. Attention, les stations fréquences pour Dindy 33 qui est en face d'atterrissage sur Marraine. Bon, ben, ça, c'est ce qu'on appelle un flop complet, quoi. Bon, vu le réglage, je suis à quoi? Je suis à 4-5 watts, pas plus. Attention, les stations en fréquence sur Marraine, du côté de... Ah zut, du salon de Marraine, du Rêve 17, pour Dindy 33, qui l'en s'appelle. Et à droite, les paparazzi, là. Ils mourront pas, eux. J'ai évité de prendre des micros à ce moment-là, parce qu'il suffit que je perturbe le radar, que ça déclenche le flash, dommage. Il y a du monde, c'est les vacances. Attention, les stations sur Marraine pour Dindy 33 qui l'en s'appelle. Attention, les stations fréquences pour un petit radeau guidage pour aller au salon de Marraine, le salon du Rêve 17. J'aime quand un radio guidage se passe sans l'ombre d'un problème. Aïe aïe. Bon, ben, je vais me le faire tout seul, le radio guidage. Donc, quand on arrive de Sainte de ce côté-là, en direction de l'île de Léron, on tombe sur un premier rond-point. Et bien, rond-point, on prend à gauche. Tout à gauche. Voilà, on passe le panneau de Marraine et après c'est faut chercher la... Non, c'est peut-être pas la prochaine rue. Non, celle-ci c'est pour le parking, c'est l'autre d'après. À droite, alors c'est-à-dire rue Jean Moulin, voilà, et là on est rendu, il y a du monde de partout. Attention à la portière, oh mais c'est que ça fait la queue en plus. Alors, petit tour du parking. Là, je fais le feignant. Oh la vache, le camion 4x4, hein. Le bleu. Hein. Bien sur la caméra, faudra que je revienne faire un tour. Il y a une forêt d'antennes.
crois que j'ai repéré un véhicule. Oui. Bon, je crois que le mieux que j'ai à faire, c'est de retourner sur le parking. Ou alors, en face, il y a un parking Intermarché. Là, il y a une antenne que j'ai envie de montrer. Là, regardez un peu cette antenne qu'il y a là, droit devant. Avec pré-ampli intégré et tout. Le truc de safari, quoi. Pour les grandes étendues désertiques. Bon alors. C'est déjà bondé de partout. Putain, je vais voir à gauche. Oui, il y a de la place là. Ah, véhicule électrique, d'accord. Eh oui, il y a du monde. Oup. Il y en a une qui m'a fait le gendarme. Là. Ah mais dans le fond du parking ici, il y avait de la place. Zut, c'est maintenant que je réagis. Et là, ça fait la queue. Tranquillement, on va pas la stresser. Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui l'en s'appelle. Bon, maintenant ils sont tous à l'intérieur du salon. Hein. Un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà, ce coup-ci on est à pied. C'est une Skyper, je crois. Alors, 1, 2, 3, antenne, 1, 2, 3, ah ben oui, là aussi, pareil. Ah, voilà. Depuis le temps. Tu m'as... J'ai la caméra qui est d'une flou, je me suis dit, c'est qui est flou, c'est le bonhomme ou c'est la caméra? Bonjour, mesdames. Tiens, tire-moi une photo avec Rémi tant que j'ai là sous la main. Bon ben, je vous laisse. Merci. Bonne journée. Attends, oui. Allez. 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 Oh, regarde s'ils sont beaux. Ah, oh là là. Hop, voilà. Alors, bon, tant que j'y pense et puis que c'est calme, t'as le bonjour de Denis. Denis Dupuis. Ah, Denis, oui. Joue. Il n'est pas là. Comment ça se fait qu'il n'est pas là? Il est parti à mariage. Ah bah lui aussi, ouais. Et en fait, je vais à Chelsea.
Ah oui, ouais. On a passé la journée ensemble. Et puis la soirée, il y avait une soirée au village, on a passé ensemble. D'accord, c'est cool ça. Ah oui, écoute, il est. Ah lui, il est extra. Ah oui, déjà au téléphone, j'entendais que c'était quelqu'un. On prend le pylône, tu sais, sans les antennes. Enfin, ça fait un bon tir, quoi. Oui, quasiment. Alors, on le bascule sur le côté. Merci pour le QSP. Un trépied. Bon, je vois pas d'antenne de montée à proximité. Salut. Comment tu vas? Bonjour. Bonjour. J'avais cru que je venais pas, je dis tiens, je vais pas le voir. Alors, je suis plus en association. Non, mais je suis. Donc, je peux plus exposer. Ah, mais c'est vrai. Donc, je peux plus faire l'activation comme je faisais. L'activation comme tu faisais. Voilà. Ben, c'est normal là, que je puisse plus exposer. À tout le monde. Sinon, ce serait n'importe qui viendrait. Ah ouais, mais bien sûr, ouais. On arrive sur l'organisateur. F5 GVA, Claude. Non, non, c'est pas Claude, c'est Le Claude. Le Claude, j'y tiens beaucoup. Le Claude. Alias Picsou de KOP. Salut, comment tu vas? Salut tout le monde, bienvenue. Vous voyez comment l'entente entre civistes et radioamateurs? Absolument, voilà. Absolument. On fait tous de la radio, on a la même passion. Exactement. Attends, je termine. Oui, oui. D'accord, d'accord, c'est offert avec le. Ah, okay. Voilà. Pareil pour les messieurs, hein, vous payez 2 euros, mais on vous offre une boisson. D'accord. Voilà, donc on vous donne un petit ticket. Si j'ai bien compris, tu fais gratuit pour les femmes pour attirer les mecs. Bah évidemment. C'est comme ça qu'ils fonctionnent dans les discothèques. Ça s'appelle de la stratégie. Oui, c'est ça. Allez, j'y retourne, j'ai encore des dames dont il faut que je m'occupe. Il n'y a pas de bracelet, non? À l'entrée. À l'entrée, d'accord. Là, j'anticipe pour faire gagner du temps. Oui, oui. Alors, comme tous les ans depuis X années, c'est le Rêve 17 qui organise à chaque fois le salon. Alors, le bâtiment commence à vieillir pas mal. Hein. C'est, alors, cette année, c'est encore ici. L'année prochaine, ben, on ne sait pas. Ce sera surprise, surprise. Je laisse rien entendre du tout. Hein. C'est qu'on est, on sait qu'il y a des fuites au niveau du bâtiment, qu'il y a des trucs qui sont à rectifier. Donc dans l'idéal, ce serait qu'ils rasent le bâtiment pour en refaire un neuf. Ouais, ce serait pas mal ça. Ce que vous voulez, hein. D'accord. Ça va avec le petit bracelet. Est-ce que j'ai encore une dame? Oui. Et mais je suis jaloux. Toi, t'as pas été sage. Les dames. Attends, il faut être sage. Attends, il fallait pas faire autant de bêtises toute l'année. Parce que je suis papy depuis pas longtemps. C'est mignon ça. Bon, visiblement, les bracelets sont réservés aux dames. Alors, je découvre un nouveau truc. Pas sûr que ça soit indiqué. Je ne l'ai pas lu sur Internet. Hein. Et, oui, l'entrée est devenue payante là cette année. Non. L'entrée est devenue payante apparemment. Oui, 2 euros. D'accord. C'est la première année. C'est la première année, effectivement. Oui. Ouais, bah, il faut innover. Hein. Il faut une première fois. C'est ça. C'est gratuit pour vous. Hein. Ouais. Le bracelet. Et les enfants non plus. D'accord. Ça marche? Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Je plaisante. Bonjour. C'est votre lieu 2, c'est 2 euros parce qu'il y a un peu de temps. Je compte pour 2, c'est ça? Oui. Boisson, bonjour. Café, bonjour. Boisson. Une boisson. Et vous, madame? Merci. Merci. Voilà. Bonjour. Merci. Ah, d'accord, ok. Eh bien, avant, j'ai posé tous les ans, parce que je faisais partie de la planète du francophone. Je peux m'expliquer. D'accord, ok. Alors, suite à des problèmes au bureau, bon... Les choses sont comme elles sont. Les choses sont comme elles sont, je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai plus le droit de se poser, c'est normal.
Non, non, mais c'est complètement normal. Ça laisse la place à quelqu'un d'autre. Merci. C'est du bon. Ouais, il faut ça. J'ai vu là, il y a une antenne de Sibi là. Tac. Ouais, ouais, ouais. Pardon. S'il vous plaît, je rappelle qu'il y a deux véhicules gênants. J'ai perdu ma femme. Bon, je la retrouverai tout à l'heure. Zénith Antenne. Eh bien là, cette année, c'est eux qu'on la place. Salut, ça va et toi? S'il vous plaît, je rappelle deux véhicules gênants, une Mercedes GL 532 EV, un Qashqai CX 619. Salut, ça va? Sont garés trop en avant sur les places de parking. Un camion qui va arriver jeudi, si vous ne voulez pas retrouver les voitures à moitié arrachées, je vous conseille fortement d'aller les déplacer et de les reculer. Merci. Bonjour. Ça va? Je porte ta main. Le code, ça va très bien. Alors, je rappelle quand même que si la police municipale passe ou les gendarmes, c'est 150 euros d'amende. Ça, c'est de la bonne alimentation. Eh bien, j'ai la même. Alors, pas en KPO, mais en marque Mas. Mais bon, c'est le même boîtier, c'est la même chose. Celle-ci, oui. Ça, là, une alimentation, elle n'est pas très grosse, hein. Mais qui est bien ventilée et tout, hein. Qui a quand même un certain volume, hein, qui marche super bien. Bon, vu le monde qu'il y a, je ne vais pas m'infiltrer partout. On voit. Ah. Le reste. Voilà, avec Amexpo. L'affiche d'Amexpo. Bonjour, bon appétit. Vous avez raison. Hey, voilà, quoi. Ah, je rappelle. Ça va? Ça va et toi? Oui. C'est vrai, j'ai vu ta femme, je viens, il est arrivé. Mais je l'ai perdu. Elle est partie dans ce côté. D'urgence, sous peine d'être enlevée. On se voit une fois tous, une fois tous les dix ans. Marie-toi, ça va? Je te regrette. Oui, je crois que je vis à la maison. Avec madame. Tu t'exposes pas là, du coup? Non, non, parce que je ne suis plus en association. Ah, d'accord, ok. Voilà, pour. Je n'ai pas été logué là-dessus. Hein. Ah, ok. Mais bon, n'étant plus en association, mais, je ne peux plus légalement exposer. Ah, merde. Ah, ouais, donc, plus d'activation. Maintenant, je ne suis pas encore allé dans la grande salle. En espérant que. Qu'il y ait une autre association civile qui ait pris la place et qui fasse aussi une activation, ce serait pas mal. Parce que là, quand je suis arrivé, j'ai dit, tiens, il n'y a pas longtemps. C'est. Eh oui, je sais bien. Ouais. Ah donc, ce sera que. Oui. Ah ouais, d'accord. Oui, oui. C'est pas grave, hein. Oui, bah oui. Ouais. Le principal, c'est d'être là quand même aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Il y a du monde. Ça arrive. Oui. C'est vrai qu'il y a du monde. La vache. Merci, à plus tard. Bon voilà, après avoir vu la salle annexe, les copains et tout,
On va voir un petit peu ce qui se passe du côté de la grande salle. J'en ai parlé hier, il est à monter le stand et il dit oui, oui, j'ai ce qu'il faut. Donc, eh bien, il y a du monde. Hé, hey, tu sais ce que c'est ça? Alors, là, tu tombes bien, vas-y. Alors, je te présente. Ça, c'est un CubeSat. Enchanté. Un petit satellite. Attends, répète. Un CubeSat. Oh, cube. J'ai compris un CubeSat. Un CubeSat. Ah oui? Ça pèse environ 750 grammes. Et avec ça, en orbite, ça transmet des données, non, des images. Sérieux? C'est pas plus gros que ça? Non. Aujourd'hui, les satellites, c'est ça. Et ça, c'est fabriqué par des écoles d'ingénieurs et des alors, élèves. Alors, ça fait 10 cm. De côté, 750 grammes, avec les panneaux solaires, et ça fonctionne. Regarde, je le mets en route. Il est opérationnel. Ah ouais? Waouh! Voilà. Et il est sur quel stand? Il est posé là sur quel stand? Là-bas. Là-bas au fond de l'eau? Oui. Ok, ça marche. Oui, oui. Ah oui. Ah, c'est flou. Oui, bah c'est flou. De toute façon, on y passera après. Alors, on va commencer par l'un des plus gros clubs. Clipperton DX. Clipperton DX. Bonjour, monsieur. Bonjour. Hé, hey, t'es là, bah. Tu vas bien? Toujours en forme, toujours aussi jeune. Merci. J'en ai eu un. En plus, là, c'est un collecteur. Hein. C'est une série limitée, il n'y en a que 5 ici dans le salon, pas plus. Et il en distribue à tout le monde. Bonjour, désolé. Ça va? Je fais la girouette, du coup j'ai du mal à... On filme, mais on regarde pas ce qu'on filme. C'est compliqué d'être, comment on dit, multitâche. Et de regarder où on va. J'attendais la connerie à propos de tâches, mais elle n'est pas venue. Les journées sont trop courtes. Ah. Ben oui. Les journées sont trop courtes. Trop de trucs à faire. C'est, alors, un jour, on m'a dit, c'est qu'on arrive à la retraite, qu'on a encore moins de temps. Oui. Alors, en ce qui me concerne, je ne vais pas parler pour les autres, je vais parler que pour moi. Oui, oui. Je suis déjà overbooké. Alors, qu'est-ce que ça va être à la retraite? Oui, non, mais j'ai fait du ménage dans ce que je faisais. Il va falloir des semaines à venir. Il y a des trucs que j'ai arrêté et tout, quand même, pour me donner un peu plus de temps. C'est, voilà. Si on fait trop de choses, on n'a fait qu'à moitié. Exactement. Bon, je vais faire le tour de tout le monde comme je fais à chaque fois. Bon tour. Merci. C'est pas le tour de France, mais bon. Non, mais j'ai mangé quelques kilomètres quand même. Alors, je vais intérêt à raccourcir le petit caméra. Ça va être mieux. Alors, vous ne voyez pas. Si, on voit là. Alors, c'est une perche que j'ai là. Mais bon, avec les gens, à croiser les gens et tout, ça va être compliqué l'affaire. Monsieur le président général, directeur, un truc à dire? Ça c'est fait. Ça c'est dit. T'as vu des trucs qui t'intéressent? Il y a plein de trucs intéressants. Ça va voir. C'est... Faut fouiller. Faut fouiller. C'est ce que je vais faire. Alors, le but du jeu, c'est de... Mais je vais rien faire, le but du jeu, c'est de rien acheter, mais ça, c'est pas gagné. Jack, DDS. Ah! Bon, je vais faire le tour, ça, je vais faire ça en S. Ah! Là, il y a de l'antenne de Sibi. Ah, joli petit récepteur. Matériel de l'armée.
des lampes, des tubes. Je vais chez lui. Tu avais vu la pièce où il faisait de la radio et le poste de radio. Mais alors c'était marron, il y avait une épaisseur phénoménale. Alors marron de chez marron. Ah ouais, je sais bien, je suis allé chez lui. Hein. Il fallait voir un peu. Elle est énorme cette lampe. Elle est énorme. Salut toi, comment tu vas? Oh, tu vas bien? Bah écoute, ma foi, oui. Tu m'as l'air toujours aussi en forme. Hein. Toujours en pleine forme. Donc ça va durer. Mais bien sûr que ça durera. T'es jeune? Oui, un ancien jeune. Tu as quel âge? 64, français. Moi, j'ai 65. Ben moi, j'ai fait 60. Ça sent la retraite. Mais si on inverse? Eh oui? Oui. Moi, ça me fait que 6 ans d'âge mental. C'est ça. Oh oui, putain. Ça m'en fait 40. Ah, peut-être faire que je passe à grandir un peu quand même. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Dundee? Oui. Salut Rémi. Salut. François Fuseau, François. En région parisienne. Ok. On a échangé pas mal de fois, par message et tout ça. Ok, tu m'as aidé, tu m'as aidé à monter mon installation. Eh bien, je suis content que ça ait marché. Ouais, ouais, ouais. Si tu cherches un poste, vu que moi je suis content de changer, j'ai un Lincoln 2 plus à vendre éventuellement. D'accord. Ok. Bon, bon ça se met bien, t'en cherches pas. T'as testé le dernier 9009? T'as pu l'avoir en première? Alors, non. Non, j'ai rien. Moi. Non, mais dommage qu'il est. Maintenant, on va dire que le double affichage calofréquence est indispensable. Ah oui. C'est. Oui. Et non, je l'ai. Je rappelle que 9009, quelques repas disponibles. Dans ma tête, ça a résonné 3009. Non, mais le dernier 9009 qui vont sortir dans un moment. Je le trouve trop petit. Ah, il est petit, moi je l'ai acheté la première version. C'est même les précédentes versions et tout. Et même en réception, je trouve qu'il n'est pas terrible. C'est des chaudières. Ils ont des carcasses qui sont pas assez grosses, c'est trop miniaturisé. T'as vu le radiateur sur le 8009? Oui, mais c'est un radiateur qui absorbe mal la chaleur. Il est mal fait. Tu m'as pas dit que le prochain avait plus gros radiateur? Plus gros radiateur, mieux ventilé, mais c'est une nouvelle technologie. Oui, quand même. Ouais. Ouais. Bon, bah écoute, enchanté, ami. Hein. Bah oui, moi aussi. Là, bon, je vais faire comme les années précédentes, une petite vidéo et tout, là, le tour de tous les stands. Oui. Bon, voilà, je reprends ma balade. J'aime bien la façade de celui-ci, là, comme ça. C'est pas mal. C'est assez vieux poste. Avant, Bonjour, comment allez-vous? Ça va. Oui, j'ai vu qu'il n'y a pas de sport cette année. Et bonjour. Bonjour. FCBA 33. À tout à l'heure, ça va faire marcher. Bonne balade. Salut. Ça se calme un peu, dis donc. Hein. J'arrête pas, moi. J'ai pas regardé à quelle heure on est arrivé. Mais j'ai dû faire quoi? 50 mètres, c'est tout, quoi. C'est fou. C'est tout ce que j'ai pu faire. C'est ce qu'elle nous a dit. Eh bien, voilà. C'est tout ce que j'ai pu faire. Et il est... Il est 11h10. Bon, voilà, je reviens sur FCBA. FCBA, regarde, j'ai cette année. J'ai vu un collègue. D'accord. Eh oui. Ça, c'est un avancement. On l'a eu. Oui. Ça a dû être une sacrée bataille, quand même. Avant, c'est battu 7 ans. 7 ans de combat. Et vous l'avez depuis quand? Cette année. Cette année, janvier. Ouf, juste à temps, parce que là, maintenant, c'est plus possible. Ah bon? Mais avec le bordel qu'il y a au niveau politiques. Oui, mais là, on est en cours de dossier d'agrément. C'est... ouais, ça risque de traîner un petit peu, je pense. Hein. C'est un foutoir complet, on sait même plus qui fait quoi. Là. Si? Oui! Ça mettra un peu plus de temps.
J'y vais quand je pourrai. Donc je ferai des devoirs. Une rive, j'ai pas vu celle-là. Bonjour. Rémi, Dandy 33. Mais j'étais en train de regarder. Ouais, voilà. C'est Piu-Piu. Piu-Piu. Piu-Piu, ouais. C'est sur le forum. Forum ou Facebook? Les deux. Les deux, bah, comme ça c'est mieux. Et j'avais mis que je voulais passer dans l'après-midi et on m'a dit qu'il vaut mieux passer le matin. Oui. Voilà. Oui, c'est moi qui t'ai répondu ça. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Pour ça, je me suis dit. Parce que cet après-midi, la plupart iront. La plupart vont casser la route. Ouais, bah ouais. Aussi. On traîne à table et tout, ça, les uns les autres. Puis en même temps, il y en a qui commencent à ramasser le matériel. Oui, ouais. C'est. Et donc, mon matin, en n'étant plus dans une association, eh bien, je me balade, je fais le touriste. Voilà, bon, il faut bien. Je profite. C'est ça. Alors, tu veux bien ? Ouais. Tu fais comme moi, tu te balades. T'as raison. Je te laisse, je continue. Ah, tiens. Il y en a qui en cherchent, je sais de ça, des tendeurs. Oh la vache, taille des lampes, t'es par rapport à la main. Oui. Elle est balèze. Non mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Non mais enfin, c'était à l'intérieur du véhicule quand même, donc faut le faire quand même. Hein. Ah bonjour, un bel appareil, hein. Regarde. Oh comme il est beau. Eh, Midland, c'était sérieux à l'époque, hein. Alors ça, c'est un décamétrique qui doit aller de 0 à 100 000 mégas. Oui, c'est ça. Minimum. Que des conneries. Minimum. Ah ouais. Minimum. C'est vrai qu'il est beau. Ouais. Ça, c'est du solide. Ah, ouais. Ah là, oui, c'est du solide. Du grain de vrai. Alors en fait, j'ai oublié de te dire, c'est 5 euros la vidéo. Donc ceux qui regarderont la vidéo, bah, vous irez tous à lui payer 5 euros. Voilà, c'est ça. T'as vu, il y a un général électrique qui a un cousin à lui aussi. Ah, pas oui. Non plus. Hein. Il vient directement des États-Unis. Ah ouais ? Bah, général électrique. Ah, bah oui, je suis nommé. Non, mais n'importe quoi, moi, bien sûr. Ouais. Et 30, vous pouvez le laisser à 30. Bah oui, j'ai un budget un peu restreint. Bah oui, moi j'ai des dépenses. Oui, je l'ai. Ça c'est collecteur. Hein. Oui. Il y a une sacrée réputation celui-là. Ouais. C'est tout pour attendre, mais il n'y a rien à faire. Oh la vache. Là. Elle a 22 ans. Je vous dois. Ah, il y a du beau là. Oui, ça. Star 47. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé la CB en 82 et tout ça, j'en ai vite entendu parler de cela. Ah, les Tristar, oui. C'était la Rolls. Oui. Oui, oui. C'est bien. Je crois, donc, des 550. Oui, c'est ce que j'ai dans la voiture. Ah, ça marche bien, ça. J'avais acheté un 300, je l'ai cramé. C'est... Eh ben, c'est beau aussi. Bah, je l'ai... La sixième position. Non, c'est pas ça, c'est que je l'avais mis sous le siège. Donc, à un moment, j'allume, je module. J'entends du monde, je module. Et j'avais oublié de remonter la... Donc, je remonte la puissance juste du poste. Et le lendemain, je repars. Je module avec le pan, les copains, j'allume le poste et j'ai pas vu le Putain qui était à fond. T'es rentré à fond. Je me suis fait deux fois avoir et je l'ai cramé. Oui. Mais bon. Et moi, sur le B300P, c'est à cause de la sixième position. J'avais pas fait gaffe à l'étiquette en dessous. Ah, pour qui... jamais le mettre à fond. Non, juste oui, voilà. 5, quoi. C'est bien. C'est 5, 4, 5. L'étiquette en dessous indique justement
Voilà, je sais pas si on va bien voir. 500 watts, AMF. Bon, j'ai pas mes lunettes, donc je vois flou. J'espère que ça va aller... Par rapport au TOS, peut-être, non ? C'est... 5 watts. Ah, tu peux l'attaquer au moins 10 watts, celui-là. De toute façon, il faut les attaquer, sinon ils n'envoient pas, tout, quoi. Non. Oui, non, mais faut... Il y a un juste milieu à avoir, c'est-à-dire ne pas saturer. Ah bah, après, et ça sature ta radio. Hein. Je rentre à quoi ? Allez, 60% maximum. D'accord. Comme ça, même une station qui va être à 1 km, ben, il m'entendra bien. Bah, je peux te dire qu'une fois, je suis sur la région parisienne, une fois j'ai été en AM sur le 19, il y avait tellement de propag, à un moment j'étais entendu. J'étais à Rungis, c'est l'île de Rungis. Oui, oui. Comme je fais pour rentrer du boulot, je fais c'est Dundee que j'entends appeler là. Tu passais bien. Et je l'ai appelé, mais tu m'as pas entendu. Ouais. Ah, même en AM, ça passait pas. Mais c'est allé là. Passait bien. Oui, oui, parce que alors justement, tiens, je profite de la vidéo pour dire ça. Excusez-moi, monsieur, pardon. Je profite, je profite de la vidéo pour dire ça. Alors, il y a des petits malins qui s'amusent à diffuser mes vidéos sur les ondes. Eh bien non, c'est pas moi. Alors, l'astuce, c'est facile. Posez-moi une question, n'importe laquelle. Si je réponds pas, c'est que ben, c'est pas moi. Tout simplement. Il faut que je continue, moi. Et il est bientôt... Oui, 11h20, quoi. Oh, qu'est-ce que je vois là? Bon, alors, ok, alimentation pas gras, et là. Un Marco CB44. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? On peut dire en drève... C'est un module, quoi. Un module. En protection. Un module d'alimentation. 32 volts, 28 volts et... Voilà. Il a un bon radiateur, en tout cas, dessus. Ah oui, il y a un bon radiateur. Ah oui. Ah non, on l'attend. C'est le 1000 et après, t'as le 1500, la dernière. Qu'est-ce qu'il y a passé ? Câble de bainage. Je sais même plus par où regarder, moi. Et je montre là sur les stands, mais en dessous il y en a autant. Comme tous les ans, il y a une tombola qui se fait ici à Marraine. Mais c'était progressif.
super. Merci. Après, de l'école, je t'en permets. Ça, oui, ça fait chaud là. Et on va mettre ça dans la voiture. Ça signe. On va mettre ça dans la voiture. Ça, c'est parce qu'on réfléchit trop. C'est un mec qui bouge. C'est ça. Bonjour. Sacrée bête là. Ouais, ouais. C'est lourd. Hein. Ah ben j'imagine, oui. J'imagine, oui, qu'il doit être lourd. On va une petite affiche pour la nuit des étoiles. Le 9 août. Voilà. Regardez, là, c'est fait. 9 août, d'accord. J'ai loupé à cause du boulot, parce qu'il y en a une, là, ces jours-ci, là. D'accord. Cette semaine. Je l'ai loupé parce que bon ben le boulot de oui, ça. Ben, bien sûr, oui. Alors c'est, faut pas l'oublier, c'est la nuit des étoiles filantes. Hein. Ah voilà, c'est pour ça. Ce qui est différent. Voilà. Ce qui est différent, effectivement. Voilà. Parce que. Il n'y en a pas de différence. Pourquoi le monsieur c'est. Il n'y a pas de différence, parce que c'est normal. Il rentre dans l'astronomie, il ne connaît pas. La nuit des étoiles, c'est la nuit des étoiles. C'est la nuit des étoiles. Ah, ça y est. Et ça passe, hein. Aussi. Ah mais bah c'est encore moi. Toi, c'est toi aussi. Oui, c'est moi. Ah ben bah oui, bah pareil. Bon, et la bulle est stable, hein. Le pied, hein, faut pas le tenir dans la main. Pardon, bonjour. Quand vous parlez de bulle, vous voulez dire bulle ou... Non, la bulle, l'horizon. L'horizon, la bulle sur l'horizon. Oh, ça c'est quand on boit trop de bière qu'on voit des bulles sur l'horizon. Tiens, justement, tu me fais penser. C'est intéressant. Des bon alors, AMSAT, là on retrouve le SAT qu'on a vu tout à l'heure. Ah ben voilà. 50 000 euros de lancement. Les associations radioateurs n'ont pas les moyens de financer ça. Par contre, l'université finance ça, on fait la coordination au niveau radioateur, et on a une utilité radioateur et une utilité scientifique en même temps. Mais vous faites des mesures ça dépend des expériences. Par exemple, il y a des CubeSats qui sont équipés de capteurs thermiques pour mesurer la température du sol et ils collectent les informations qu'on envoie sur le laboratoire de recherche qui fait cette étude. On peut faire des trucs qui montrent la température du sol, mais encore.
Sur la Terre ? Oui, sur la Terre, on peut regarder les étoiles, on peut regarder plein de trucs. On peut regarder le Soleil, la Lune. Mais ça, c'est des mesures optiques. On peut faire de la mesure en radiofréquence, on peut faire de la mesure en rayonnement. Pour le salon, une fois de plus, est égal à sa réputation. Bah, énormément de monde comme tous les ans. Ah oui. Je sais pas trop de quel côté aller, du coup, tellement qu'il y en a. Ah, j'ai vu plein de trucs à acheter. Hein. C'est... Oui, oui. Mais bon, à un moment donné, il faut savoir être raisonnable. Qu'on a déjà pas mal de matériel chez soi. Comment ? Ah, moi, je suis du côté civil. Alors, 14, bravo Charlie, 33-0. Dundee 33. Voilà, Dundee 33. Voilà, j'ai d'accord. Voilà pour la petite présentation de l'OM. D'accord. Mais d'habitude, je mets mon gilet sur moi. Bon, j'ai mon QRZ et tout démarqué dessus, mais là, il fait chaud. Ouais. Il faut se faire reconnaître facilement. Vraiment, il faut faire comme moi, le bavard, il faut poser la question. C'est... Donc voilà. Un beau t-shirt. Bon ben à plus. Merci, à plus. Vu. Je viens de voir ma femme. Elle n'est pas dans la bonne poche là. Alors, pour la petite anecdote, ma femme est en train de fouiller les poches pour trouver les clés de voiture. On est content en principe. Non, je vais. Oui, ça me fait du bien. Alors, pour en revenir, non, mais... vas-y. Pour en revenir. Voilà. Après, je reçois une email. La réunion du bureau a été votée à l'unanimité. Tu vas dans la voiture, oui, tiens. Tu es élu secrétaire chez Nîmes. Ah. De la Fédération Européenne. Eh bien, voilà, tu le temps. Ah. Bonjour, bon, mon cher ami. Monsieur le Président, je t'ai pas dit bonjour encore. Non. Qu'est-ce que... Voilà. Quand tu étais occupé tout à l'heure, je t'ai dit, bon, je verrai bien. C'est... Alors, comment tu vas ? Très, très bien. Et je retrouve beaucoup d'anciens de mon club qui ont passé sur d'autres bandes. Et c'est sensationnel. J'arrête pas depuis ce matin. Les nouveaux depuis 35 ans. Tout. Et la fédération ? Toujours. Alors là, on va se bagarrer pour le CPL. Ah bah ça, de toute façon, moi, mon avis, ça a été homologué par l'État. Hein. Donc c'est le pot de terre contre le pot de fer. Hein. Faut essayer. Ah oui, qui ne tente rien à rien. Parce que ça crée d'autres problèmes que la radio. Ah ah. Quel autre problème ça crée ? Il y a pas mal de personnes qui se plaignent, qui ont des problèmes de parasites, de tout, qui ne comprennent pas. Ah oui, sans doute c'est pareil. Mais c'est vrai que là, il y a de tout et n'importe quoi de fait au niveau des CPL. Mais alors,
les gens font l'amalgame entre le CPL des particuliers et Cotton Lanky. Le Cotton Lanky, lui, il va émettre quelques, juste un bref instant la nuit. Et le restant du temps, eh bien, il emmagasine, il n'est pas actif. Par contre, le CPL des particuliers, ça, c'est une vraie saloperie. Ça, oui. Et c'est vrai qu'il y en a qui font l'amalgame entre les deux. Voilà. Les ampoules LED, c'est pas mal aussi. Ouais. J'avais eu un problème comme ça avec le salon. C'est vrai. Ouais. Du coup, quand j'éteignais le salon, et ben, ça marchait très bien. Quand j'allumais le salon... Oui, et c'est comme aussi les petites alimentations de chargeurs de téléphone, des trucs comme ça. C'est ça, ouais. J'ai des parasites chez moi, oui, bah juste à côté, j'ai le chargeur de téléphone qui est branché. Voilà, c'est ça, ouais. Petit truc. Oui. Mais enfin, voilà, on est toujours là, encore. Et côté DX, est-ce qu'il y a des expéditions de prévues? Non, pas pour l'instant. On réclame, mais j'ai 83 ans. Alors 83, bah, ça fait 38. Oui, bon bah ça tout va bien quoi. Ça me démange. Mais moi j'ai bien que 6 ans. Hein. Moi aussi. Ça me démange, enfin. Ça m'arrange pas, moi pas trop en fait. disons qu'il y a des personnalités que j'ai connues sur Fort Boyard qui m'ont envoyé un message l'autre fois, c'est une Anne-Claire Cloret qui me dit, alors, pensez qu'on vous voit. Ça tire, hein. Il y en a une qui est pas. Ben, le problème qu'il y a, c'est que je peux pas laisser ma femme, elle a fait 3 AVC. Ah ben oui. Non mais de toute façon, la vie est privée d'abord. Hein. Voilà, alors, surtout quand ça devient compliqué, il y a des priorités. Un jour, hein. Je dirais à ma fille, tu viens coucher pendant que je suis là-bas. Mais il y a d'autres endroits aussi qui sont que je prévois aussi. Il y a des formes que je voudrais aller. Bon, de toute façon, l'envie est toujours là. Je vais dire une chose, quand tu as eu le virus... C'est ça. Là, cette année, à la fin de l'année... cette année, ça va faire 53 ans de bénévolat. Oui. Et de civil. Et j'ai retrouvé aucun médicament pour m'enlever le virus. C'est pas... Oui, mais moi, c'est pareil, hein. Alors j'ai pensé qu'avec du whisky ça passerait. Non, c'est moi qui presque. Alors, si le whisky passe pas, et c'est le bourbon pour voir. Oui, ben je l'ai essayé l'autre fois. La bouteille a été vide. Et c'est plein. Non, mais. Ah, c'est pas plein. Fallait aller se coucher. Ah ben oui. Non, mais quand on a, comme moi, démarré avec le début de la CIBI, avec les évolutions, on ne peut pas arrêter comme ça. Non. Non. Je ne peux pas arrêter. Mais je ne dirais pas malheureusement. Alors il y en a qui me disent. Pour ceux qui veulent les repas, peut-être que ça, c'est maintenant la buvette. Par orgueil, alors, non, c'est par orgueil. Ça. J'ai ça dans le sang, vous êtes. Oui, voilà, oui. Mais on est de la même graine, hein, même s'il y a une différence d'âge entre tous les deux, on est de la même graine. Hein. Voilà. C'est, ouais, c'est pareil. Hein. C'est la vie, c'est ça. Il y en a d'autres, c'est les voitures de course, c'est tout. Oui. C'est ma radio. Oui, voilà, oui. Le jour que j'ai plus de radio, eh ben, vous viendrez m'emmener. Allez, au revoir, Bernard. La vie ne s'arrête pas à ça, les armes. On arrête là. Hey. Bon, là, je dis que c'est YL. J'ai déjà qui est juste 18, à côté. 18 arrière-petits-enfants. Non, mais ça n'empêche pas. Ça fait... Alors ça et la radio, ça me... et mon jardin, ça peut prendre. Quand tu as 800 mètres carrés de pelouse. 951 mètres carrés. Tu sais ce que c'est, ça oui. Parce que quand tu as fini un jus, tu peux commencer l'autre. Voilà, comment ça va? Le Pas-de-Calais va bien? Le Pas-de-Calais va très bien. Le petit bonhomme a 2 ans. Déjà? Ouais, voilà, c'est ça, déjà. Ah, j'ai pas vu. Alors, on voit beaucoup cette présidente là qui est là. Comme on voit. Ah, bah tiens, on voit une. Alors, eh ben non. C'est aussi. Non, c'est que des présidents. Parce qu'il y a une version Sirio aussi.
Alors la particularité entre les deux, c'est que la précédente, le haut et le bas sont en plastique, et donc les radios sont vissés dans du plastique, et la version Sirio, elle, c'est du métal. Donc les radios sont vissés dans le métal, et un peu plus, bon, si ça ne change pas la vie, on va dire, de l'antenne, mais bon, un peu plus fonctionnel que, on va dire ça comme ça, que là, comme ça, vissé dans le plastique. Je vois cette antenne. Alors cette antenne, dans les années 90, je ne sais plus quelle année exactement, quand le permis à point est arrivé, les gens se sont rués là-dessus, sur des petits postes, gros, à peine plus gros que des paquets de cigarettes, ce genre d'antenne, pour faire, pour s'en servir comme arme anti-radar. Alors ne pas confondre ceux qui ont utilisé la CB comme arme anti-radar et les cibistes. C'est deux choses différentes. Parce que beaucoup font l'amalgame. Je vous abandonne à votre tristesse. Oh, alors là. Alors là. Là, l'apéro est servi. Oups. Monsieur Dandien ? Ouais, c'est quel ? Comment tu vas ? Ça va ? Oui, quand il m'a dit. Bah, après, s'il me dit que c'était lui, à l'époque, je peux l'acheter, je vais fermer. Ça ne ferait un chemin. Vous aussi, vous cherchez à vous payer un chemin ? Ben voilà, c'est ça, exactement. Ben pareil. On va y arriver. Oui, oui. Celui-là fait 15 mètres. Ben du coup, oui. Bon, la météo, eh ben ça a l'air d'être bon dehors. Moi j'ai eu le problème, Bon, apéro. C'est l'heure de l'apéro. Oui, bon, d'accord. Bon, c'est là que je vous laisse. Alors là, on est parti pour le casse-croûte. Il est quelle heure ? Il est 1h10. On n'arrête pas de papoter. Alors je ne sais pas la voiture, qui appartient à la voiture, mais là, il y a de l'antenne. Là. Ouais. Oui, monsieur. Et là, celle-là. Nom de Dieu. Ah oui, elle est présentée, si vous voulez la voir, elle est présentée sur le forum. Bon, il faut chercher un petit peu. Voilà, dans les antennes mobiles, c'est une antenne américaine. Hein. Ça, je crois que tout le monde l'avait compris. Je vais prendre un peu de distance. Alors, ouais. J'espère que la mise au point est bonne parce que ça n'a pas l'air très QRO là, niveau. La vache. On va faire un petit peu le curieux à l'intérieur. Ah bah oui, forcément. Alors pour le 27 mégas, ah, l'une ou l'autre, je sais pas, j'ai pas regardé la bulle, j'ai vu que bon, je vois le câble. L'autre poste, bon, c'est un poste VHF-UHF ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'il y a le câble de tirer ? Ah bah oui, si, les deux. Voilà. Donc là, c'est le. Je me sens voir 7000. Non, ou je sais pas, ou un Eaton. Je sais pas, je vois pas bien ce qui est marqué dessus.
Enfin bref, alors comment il a mis ça? Comment il a mis ça? Ah oui, d'accord, ok. Il y a donc une poignée là sur le côté de la console. Et c'est cerclé, j'essaie de faire un petit peu d'ombre, c'est cerclé autour de la poignée. Il est pas mal le système. Alors comme c'est là, ah oui, ben ça y est, ok, voilà, je vois plus bas. C'est pris en U dessus. Donc ça veut dire que là, il peut facilement sortir les postes s'il y a besoin. Alors, il y a peut-être un autre maintien derrière pour pas que les postes bougent. Possible. Et là donc, l'autre antenne, le VHF ou VHF, UHF, je sais pas, là je connais pas. Bon allez, nous on va casser la croûte. Commence à avoir faim à force. Autre gens, ça fait bon. C'est alors, bon, là, on a, en guise de, merci, en guise de dessert, je vous souhaite on a un OM, merci. Radio amateur, électronicien, qui vient de nous apporter une caisse. Une caisse. Il est très bien celui-là. Tout neuf, sorti d'hier d'usine. Voilà, voilà, le matériel d'aujourd'hui. Et voilà, ben, moi j'ai récupéré deux haut-parleurs et cadeau. Cadeau, cadeau. Ça vaut ce que ça vaut. Peu importe, mais c'est cadeau, c'est gratuit. Alors quand j'en vois certains qui donnent une valeur de, je sais pas, de plusieurs centaines d'euros, c'est du matériel qui est dans le même état. Il y a un câble qui charge. Ben, dites-vous bien que d'autres le donnent. On essaie de démêler. Il va y avoir une prise électrique qui est au bout. Par contre, il y en a un, l'antenne, elle est un peu morflée. Mais bon, tu veux... Alors ça, c'est un micro. J'ai l'impression. Oui. Oui, parce qu'on voici un autre là. Zut. On dira allô papy. Ah. Bonne pioche, attention. Alors, on voit les chargeurs. Il y a les postes, il y a pas mal de. Tiens, toi je te connais. Toi. Bingo. T'as plus l'antenne. C'est pas grave, c'est une antenne de la BMC. Je la BMC, c'est pas ça chez moi. Je l'ai de toute façon. C'est qui me fleurit du filet. je l'ai déjà celui-là là, dans la petite collection. Et là, tu as des petits PMR. Moment, ah ça oui, pour le... Eh ben voilà. Oui. Des petits Logicom. Oui. Pour des vols. Bon ben déjà le haut-parleur, ça c'est récupéré. Non, c'est pas mal. Oui. Rémi, il manque le préservatif. Ouais. Regarde. Alors. T'as vu, ça fait ressort, chérie. C'est bon, ben, on va dire qu'il y a du QRM. Hein. Marine, qu'on n'a pas compris ce qu'elle a dit. Ah, c'est pour toi ça. Marine. Ah, fréquence marine. D'accord. Dis, regarde. Tu vires ça, tu mets comme sur le... Oui, il est quelle heure Roland ou je... Ok. Je sais plus lequel, ou l'Albrecht. On est encore à table. Un truc qui va dessus, avec l'antenne déportée, l'alimentation allume-cigare, et t'as un peu plus de patates, et c'est nickel. Et ça, normalement, tu dois pouvoir l'ouvrir et mettre des piles avec acquis, si vous voulez changer. Oui, je regarde. C'est marine, ça, c'est bien ça. Bon. Moi, j'ai pas de bateau. Bon, moi j'ai emmené mes haut-parleurs. Simplement écouter, ça m'intéresse pas. J'aime bien. Dans la voiture. Faire discuter. Ouais, voilà, tu écoutes moins, quoi. Ouais. Ça, c'est quoi? Justement, c'est un chargeur? Je sais pas ce qui. Tu m'as volé les clés de la voiture tout à l'heure. Non, elle a été abandonnée, elle les a récupérées, elle les a sauvées, on va dire. Ça, c'est un truc à pile. Je vais mettre mes haut-parleurs, mes deux haut-parleurs. Ah ben, il y a autre chose à mettre dans la voiture, du coup. Il y a ça. Modèle oh, de 75 non, 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 on ne pas. Hein. Ah, ben alors, voilà. Tiens. Alors, les PMR qui ont été récupérés. Ça, ok. Bon. Eh bien, déjà, ça, c'est récupéré. Oh, une façade. Alors, ça, ça a été la surprise du jour. Monsieur, il est parti. Bon. Il n'est plus là.
Il est passé, il nous a posé ça. Et voilà. Il nous a pris pour une déchetterie. Oh, ça y est, de suite, non, non, allez. Ça. Allez, voilà. Les vieux débris. Allez, allez, on coupe la vidéo. Alors, voilà. Petit tour d'horizon, vite fait. Il est. Ok, 3h15. Alors, ce qui m'étonne, c'est que là, je trouve qu'il y a plus de monde là comme ça l'après-midi que l'année dernière. C'est. Oui. Alors je fais un dernier petit tour d'horizon. Parce qu'on a, de la famille quand même sur la région. On va aller un peu profiter d'eux. Oh ça, ça, comme ça, ça n'a pas l'air, mais c'est des alphalima. Hein. Ah, chie trois coups. Bonjour, Denis. Salut. Ça va? Ça va et toi? En forme? Ouais, toujours. Bon, tout va bien? Ouais. Bon. Et toi? Bah ouais. Oh là, ouais. Toi je te sens bien parti. Eh bah ouais, ça repart, tu vois. Ça repart après plus de 30 ans d'arrêt de radio. Voilà, et ben on va s'y remettre. J'ai racheté une base président Washington. T'es sur le groupe ou le forum? Alors je te suis moi sur YouTube essentiellement. Oui. Je suis tes aventures à travers YouTube. Mais je t'envoie des messages de temps à autre. Là je vois une bonne vidéo à travailler. Voilà. Voilà, et moi je suis sur Ribérac. Ribérac, ouais. Ah, mais oui, ça y est, maintenant ça me pète au cerveau. Ouais. Tiens, pour le forum. Ouais. Voilà. Oui. Et voilà, et tu vois, je vais ça y est, ouais. Je vais chercher une petite antenne de balcon, mais j'ai pas trouvé. C'est un appartement, c'est ça? Ouais, je suis en maison. Mais, en maison? Ouais, je suis en maison. Et... Je pense monter un aérien par la suite, mais... Alors, là, si tu veux, je vais m'y remettre gentiment. Quel genre d'aérien tu veux mettre? Oh, bah après, je vais mettre une 5/8 d'onde. Voilà, classique. Hein. Oui, la taille n'a pas d'importance. Voilà, voilà. Non, la taille... Non, parce que là, j'en ai vu un, là, sur le forum, on a quelqu'un. Ouais. Bon, comment va ta base? Donc, elle va très bien. Comment va la mémère? Elle va très bien. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, tu sais, c'est la petite puissance... Je te dis, là, je me suis racheté un président Washington de 81, et c'est avec ça que je vais moduler avec. Ah, cool. Il fait 4 watts, machin, minimum. Mais moi, ce qui m'intéresse, parce que c'est ce que m'a appelé mon papa, parce que mon papa est radio-amateur depuis 66, ouais. Donc Fox Alpha, donc en région parisienne, voilà, donc à l'époque, c'était vraiment quelque chose. Donc voilà, ça a été... On est revenu à ça. Ouais, par contre, là, je cherche, moi, dans la voiture, j'ai un Lincoln 2+. Oui, que tu vends, tu le banques. Oui. D'accord. Oui, parce que je voudrais me racheter un Georges. Deux. Attends, j'en ai parlé sur le forum. T'es déjà sur le forum, toi? Je suis partout. Comment il m'a grillé? T'as bien raison. Tu m'en connais pour une connaissance. Alors, j'ai regardé sur internet, j'ai vu des prix en neuf hallucinants, ouais. Dans des 300 et quelques euros. Bon, moi je l'ai acheté 273, un truc comme ça. Bon, bref, j'ai la facture avec. Okay. Et je le lâche à 220. 220 euros, tombe. C'est, voilà. Okay. Ouais, mais je sais qu'il est impeccable. Bon, c'est. Et puis il n'a jamais tourné à pleine puissance. Et c'est ça, c'est toujours au minimum. C'est la boîte de fondant. Voilà. Voilà. Bon, j'espérais trouver un copain éventuellement qui serait intéressé ici. Ouais. C'est pas le cas, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave du tout. Il hein. n'y a aucune urgence dans le vent. Il fonctionne à merveille. Oui. Il fonctionne à merveille. Il est lavé.
T'avais juste un petit décalage à un moment. Alors, le coût de 50 Hz, c'est tout les Lincoln 2. C'est sur le banc que c'est calé comme ça. Donc c'est le banc en usine, ce président, qui a ce chouïa de décalage. Et tous les points se sont réglés là-dessus. Quoi. C'est oui, voilà quoi. Donc, et puis 50 Hz, qu'est-ce que c'est que 50 Hz? Pour celui-là qui a un gros décamétrique, qui joue les pointilleux et qui demande aux autres de se recaler en fréquence alors qu'ils ont un clarifier sur leur poste, on s'entend pas de 50 Hz. C'est voilà, c'est pas 500 Hz. C'est 50 Hz. Comment est la propale en ce moment? Moyenne. Ouais, moyenne, là, ça a redescendu un peu. J'ai écouté chez moi, là, tout à l'heure. Ouais. Attends, je lâche la caméra. Voilà. Ouais, content de t'avoir vu. Moi aussi donc. Et puis, voilà. Qui sait, hein, peut-être en local, on ne sait jamais, en voiture, peut-être. Ouais. À 14 Radio Charlie Delta 01, Sébastien. Ça marche. Voilà. Et en local, Delta 33 pour moi. Et Sagittaire 24. Ça marche. Voilà. Et puis avant, j'étais sur la région parisienne. Quoi. Ouais. Ok. J'ai fait pas mal de mobiles là-bas. Quoi. Allez, voilà, que de bons souvenirs. Faut vraiment qu'on y aille. A plus. Et on s'échappe. Salut Nunu. Ouais, mais ils sont en train de débarrasser. Ah, t'as vu, hein? Ouais, mais bon, il va être... Alors bon, on a la famille qui vient d'arriver là, dans le salon. Alors, les 73-51 tous, Dandy 33, 14, Bravo Charlie 33-01, Rémi. Et ben, à l'année prochaine, si vous le voulez bien, un chitroico. Bye. Il a trouvé des gros comme ça, mais tant mieux pour lui. Sur le plastique, sans ça. Voilà. Eh bien, on a encore rencontré d'autres copains. Ça a été super. Mais qu'est-ce qu'on a eu soif. Ah, quand on papote, hein. Wow. On se déshydrate, hein. Bon, ce coup-ci, c'est vraiment le départ. On est dans la voiture. Content d'avoir revu tout le monde. Et plus encore. Bon, la propague, elle est toujours aussi présente. Ah, chie trois coups. J'ai écouté sur mon téléphone alors le WebSDR que j'ai au QRA. Eh bien, c'est pareil. Ah! Ah ah! Elle est pas loin la propague. Mais bon, elle a tellement papoté là depuis ce matin que là j'ai ma dose. La CB va rester calme là c'est le retour. C'est du calme. Ça arrive. Bon, c'est passé, ça a trépassé. Ah si, ça revient. Bon, c'est QRP. Comme je disais tout à l'heure, rendez-vous à l'année prochaine. On a vu l'heure, c'est-à-dire 15h40. Sugar Delta 313, South America, Brazil.
Eh ben. Alors donc la suite du salon là, ça va être tout à l'heure le loto, la loterie, et après pour eux, tout ramasser. Passe bien l'Italie. On voit que les touristes se sont rendus. Hein. Beaucoup de choses confirmées là, on dirait. L'église qui a droit devant nous. Petite question. Une église, c'est source de propague ou source de QRM? Allez, ce coup-ci, c'est la bonne. 73-51 tous. Bye bye.